sais pas comment les chevaux peuvent manger ça. Si vous vouliez me faire manger de la paille, il faudrait la presser à froid et l'étiqueter bio et tendance. Livrez-moi le médaillon. Super grande. Courez. Je vous tiens. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Super petite. Vraiment que c'est le moment de se rouler par terre avec un porcelet, Gwen. Il faut qu'on mette la main sur le médaillon. Avec ce porcelet. Non, moi non plus. Ce costume est peut-être une réplique incroyablement authentique du Yeti, mais j'étouffe là-dedans. C'est comme ça quand on fait des films à petit budget. Mais d'un autre côté, la prise de vue de la caméra du casque de Polly est géniale. Ouh, carrément impressionnant. Ah, pourquoi Pierce se met à jouer de la guitare pendant qu'on est en train de tourner? Il a arrêté. C'est le moment ou jamais. Tout le monde se remet en place. Nicolas, tu vas dans la grotte. Polly et Lila, vous retournez sur le sentier. Hé, hey, Polly, ouvre-moi. Oubliez ce que j'ai dit. Nouvelle directive. Polly, il faut que tu nous fasses grandir. Je ne peux pas. Je ne porte pas mon médaillon. Il est là-bas, sur le lit. Faut pas m'en vouloir. Il jurait complètement avec le reste du costume. J'ai pris la bonne décision en te demandant de l'enlever. Ouvre-moi tout de suite ou j'entre, Polly. Bon, c'est vrai que c'était peut-être plus important que les associations de couleurs. Pierce ne doit pas nous voir comme ça. Attends une minute, Pierce. Une minute? Non, je compte jusqu'à trois et j'entre. Un... Oh, dépêche-toi, Polly. Deux... Super grand. Trois. C'est toi qui as mon DVD des traqueurs de fantômes? Oui, il est là. Je vous conseille de ne pas faire n'importe quoi. Maman et papa m'ont nommé responsable. Il faut que je garde la maison en un seul morceau ou je serai puni à vie. Pas de problème. Faut juste que tu arrêtes de jouer de la guitare pendant quelques temps. Pas de chantage, c'est moi qui décide. Et interdiction de venir dans ma chambre. Cette fois, c'était beaucoup trop dangereux à mon goût. Ben, au moins, il n'y a plus de bruit maintenant. J'ai parlé trop vite. On ne pourra jamais gagner le concours de court-métrage de Littleton si on n'arrive pas à finir le film avant la fin des inscriptions. On n'a plus qu'à dire au revoir à notre rêve de remporter une caméra pour professionnels. On ne peut pas abandonner maintenant. Il faut que les gens voient ces costumes. Et j'ai travaillé toute la nuit pour préparer ces plans. Il faut seulement qu'on trouve un autre lieu pour tourner. Très loin de Pierce. Super petite.
L'élan vient de partir, la chasse est ouverte. Viens, Gwenny. C'est parti pour une bonne vieille chasse à l'élan. Les filles, suivez le médaillon, je vous rattrape. Tu sais, c'est contre mes principes de participer à une chasse à l'élan. Peut-être qu'on devrait essayer la pelle à l'élan. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je crois que je lui ai dit bonjour. Ou peut-être que j'ai insulté sa mère. Hé, les filles! Folie! Continuez à le suivre, je vais lui couper la route. Viens voir Folie. Éloigne-toi de Polly. Venez, par là. On n'aurait jamais dû les amener ici. Viens, Gwen. Vite, vite. J'ai perfectionné mes aptitudes de dépistage pour pouvoir mettre la main sur le médaillon. Au cas où mon GPS me lâche, ou mon téléphone me lâche, ou tu tombes malade, ou que je ne tombe pas par accident sur Polly en ville. Maintenant, je suis capable de traquer cet élan dans mon sommeil. Mais tu ne dors pas, là, Gigi? J'adore le style camouflage. On avait presque l'impression que tu ne savais pas ce que tu faisais. Oui, j'ai tenté une nouvelle approche. On dirait que quelqu'un a besoin de retrouver son lit. Mais il ne fait même pas encore nuit. Oh oh, encore un rappel. Vous voyez, il faut que je fasse mes devoirs. Tu auras le temps de les faire ce week-end. Mais mon week-end est déjà super chargé. Est-ce que je peux aller au salon gourmand de Gary pour faire mes devoirs avec Lila et Shani? S'il vous plaît. Vous avez bientôt fini votre partie, il faut vraiment qu'on fasse nos devoirs. Si tu veux ta médaille étoile, il faut que tu connaisses tes constellations. Ces étoiles représentent le signe du zodiaque du cancer. Ça ne ressemble pas du tout à un crabe. Oh, les constellations n'ont aucun sens. Imagine que ce sont des diamants dans le ciel. Oh, des diamants? Oh, je suis trop forte à ce jeu. Quelle coupe et combien de carats? Heureusement qu'il n'y a pas de médaille donne des cours à Lila, personne ne la gagnerait. Oh, hé! Lila, tu étais assise sur un caillou parfaitement circulaire. C'est la dernière chose qu'il fallait pour faire apparaître la demoiselle à la perle. Ah, Tori va être tellement impressionnée. Ouais, Tori! Ah, la demoiselle à la perle! Les fantômes existent alors? Tori! C'est l'heure du rendez-vous. Enfin, dès que j'aurai trouvé où tu te caches. Elle gagne du terrain. Courez, comme si tout était à moins 50% au centre commercial. Ah! Les fantômes font des pièges. Est-ce qu'elle va nous manger? J'espère que non. Cette écharpe est cousue main en laine de yak tibétain, extrêmement rare. Ne vous en faites pas, je sais comment nous sortir de là. Super petit.
densité de tissage de ce filet est prodigieuse. Mission accomplie, Gigi. Gwen? Ha! Je savais que les fantômes n'existaient pas. Dommage que les affreuses qui veulent te voler ton médaillon pour rétrécir tous les habitants de Little Town existent, elles. Maintenant, tu ne peux plus m'échapper, Polly Pocket. Hé! Laissez-moi partir! Mince alors! Tu as beau être minuscule, tes dents sont bien aiguisées. Au revoir, petite Pocket! Bon, alors maintenant, on va se laisser descendre tout doucement, comme si... Allez les filles, balancez-vous! Une chute de plus de 100 mètres et pas une seule mèche de travers. Ouh, j'adore mon nouveau spray fixant. Super grande. C'est pas trop grave. Je vais le réparer et le remettre en vol en un rien de temps. À moins que en un rien de temps ne veuille dire maintenant, il nous faut un nouveau moyen de transport. Oui, la réunion du comité du SBAL commence dans 4 minutes. Et pour nous, l'organisation d'un bal, ça n'attend pas. Super petite. Continuez. Je ne réussirai jamais à gagner cette élection. Et si je ne deviens pas maire de la ville, je ne pourrai jamais créer une loi qui obligera Polly Pocket à me donner son médaillon. Oh, il ne faut pas baisser les bras. Moi, je l'ai trouvé génial, ce rassemblement de campagne. Il n'y avait que toi dans la salle. Je suis la plus grande fan de Bonnie Ben. Tout le monde se déchaîne pour Ben. Ouais, ouais. Oh, le journal dit que j'ai perdu 40 points dans les sondages. Oh, l'ancien maire Henri Lèchebotte va gagner sans bouger le petit doigt. Tu sais qui est très douée pour faire en sorte que les gens l'aiment et votent pour elle? Polly Pocket. Elle a convaincu tous les élèves de l'élire directrice du comité du bal. Même moi, j'ai voté pour elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Que je demande à cette prétentieuse et agaçante petite Polly Pocket de faire campagne pour moi? Bonsoir et bienvenue à tous. Ce truc avec mon père ne prendra pas beaucoup de temps. Je m'en occupe pendant que vous emmenez les invités à la piscine. Polly, attends, on a besoin de toi pour les rétrécir. C'est vrai. Écoutez tous, venez sous la tente. La fête à laquelle vous allez participer se déroule sur la planète Mars. Je vois rien du tout. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais fais-moi confiance, c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus chic. Et... plus sombre, très sombre. Maintenant, écoutez-moi, tenez-vous les mains et préparez-vous pour votre voyage dans l'espace. Maintenant, fermez les yeux et pensez à la fête la plus astronomiquement géniale que vous ayez jamais vécue. Fête dans l'espace. Super petit. Par ici, n'ouvrez pas les yeux. Il ne faudrait pas gâcher la surprise. Très bien, ouvrez les yeux. Oh, oh. Sautez, ou balancez-vous, ou plongez, ou
Descendez par l'échelle en toute sécurité, sans courir et sans vous bousculer. Pensez à passer au stand de glace pour déguster un sorbet de Saturne ou une coupe glacée de la Voie lactée. Et ne manquez surtout pas les incroyables divertissements de la soirée! Un défilé de mode! Un concert en direct! Et un incroyable plongeon depuis le fin fond de l'espace réalisé par Polly! Comme sur des roulettes! Maintenant que tout le monde est entré, je peux aller aider mon père! Dépêche-toi! Tu sais bien que le verre ne me va pas autant! Sympa le look crevette! Je sais que mon père est probablement trop modeste pour vous le dire, mais c'est un des architectes les plus doués de Littletown. Polly? Oui, son cerveau est vraiment brillant. Et dans sa tête. Mais vous devez savoir que le centre de loisirs est un projet qui lui tient à cœur. Il voulait un endroit que les familles de notre ville pourraient considérer comme leur deuxième maison. Ouais, une maison où on peut porter son bonnet de bain au dîner. Oh, ça, c'est pas un bonnet de bain. C'est pour éviter que les cheveux ne s'en mêlent quand on dort. Mais puisque je ne vais pas dormir pendant le dîner, je peux l'enlever.